Salut les amis, je vais vous faire voir mon hôtel à verre, donc que j'ai fabriqué moi-même. Donc regardez, une boîte en plastique, et là, ah ben ils sont là, là il y a des verres, là il y a des verres, donc je leur mets plein à manger, et eux ils se débrouillent pour me faire de la bonne terre là que je vais prendre après pour ressemer. Et tout en bas, je vous ferai voir après, il y a leur pipi de verre. Donc là, bah, je leur remets un peu à manger. En fait, les vers, ils aiment bien quand la nourriture, elle commence à pourrir un peu pour la manger, pour la dégrader. Donc voilà, un petit peu plus. Ils n'aiment pas trop les agrumes, par contre. Donc moi, je leur mets pas d'agrumes. Et ce qu'ils aiment bien aussi, c'est d'être dans le noir. Et à la limite à l'abri des autres insectes. Donc j'ai fait des trous, des petits trous entre les différents bacs. Vous allez prendre des boîtes en plastique, peu importe où vous les prenez. Hop, hop. Voilà. Tac. Et donc la terre qu'ils produisent, qui est en réalité leur déjection, elle est parfaite en acidité pour planter, et bah, ils ont transformé tout ça, donc parfait pour que les plantes repoussent. Donc là il y a même des petites pousses, je pense c'est quand je mets peut-être les pépins là de melon, je sais pas trop. Et le dernier étage, donc ça c'est déjà l'eau qui coule, et puis c'est eux ce qu'ils éliminent. Et ça, c'est super nutritif pour les plantes. C'est vraiment un miracle. Donc, il y a des petits vers. Là, peut-être en dessous, on en voit qui sont en train d'essayer de sortir. Il y a des trous. Et voilà. Il faut juste essayer de bien les protéger pour qu'il n'y ait pas d'autres insectes qui rentrent les déranger. Donc là, c'est pas mal. Il faut qu'ils soient à l'ombre, qu'ils ne fassent pas trop chaud, pas trop froid non plus. Et ça, c'est l'idéal pour quand vous êtes en appartement, pour recycler vos déchets alimentaires. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. La prochaine fois, je viendrai utiliser la terre. Ciao ciao.